L'interdiction de bière dans les stades aura autant fait parler que la mort de 6500 travailleurs esclaves. Je ne sais pas quoi en conclure pour notre humanité, mais je sais ce que ça dit du gouvernement qatari. Il n'a aucun respect pour ses partenaires, ni pour les droits humains, et se montre incapable de respecter ses engagements. Ne freinons pas la surprise. Parce que derrière le paravent de la FIFA, nous sommes responsables. La France plus particulièrement, responsable de confier à un État dont on connaissait pourtant les pratiques, l'organisation de cette coupe, de laisser souvent aussi la corruption guider ses choix. Posons-nous la question de ces événements démesurés, souvent convoités par des États répressifs en quête d'une nouvelle image. Posons-nous la question en amont de l'impact climatique et faisons en sorte que des critères préalables soient enfin établis. La FIFA impose un cahier des charges luxueux pour l'organisation des mondiaux. Il est temps qu'elle impose un cahier des charges des droits humains et de l'écologie et qu'on lui impose. C'est à nous, politiques, de faire entendre cette voix. Se défiler, c'est nous rendre complices de cela.